chirurgie esthétique, une polémique dont la presse à sensation a fait ses choux gras en l'absence de toute explication de la part de la star. Michael Jackson ne se montre en spectacle ou dans des cérémonies que pour répandre la bonne parole. La vente des billets de concert alimente sa fondation en faveur de l'enfance et de l'écologie. Les Chinois ont le privilège de l'approcher, de lui parler, lui l'inaccessible. Leur compliment est appris par cœur, mais sincère et ému. J'adore tes clips et j'ai aimé la chanson avec Jordan. Et toi? He loves your clips and he loves the song j'ai with Jordan. Sur France 2. J'adore la fin. He likes the way you're dancing. He wants to show you something. Vas-y, montre. Oh, danse. Michael apprécie en connaisseur la danse, il connaît, et les enfants, il adore. Son association Heal the World, guérir le monde, a pour vocation de soulager l'enfance malheureuse sur toute la planète. Vaste programme qui a besoin de fonds. Les enfants apportaient un gros chèque à leur idole cet après-midi, de quoi faire pâlir la star. Au fait, si vous vous étranglez de jalousie en regardant ces images, sachez que ces enfants ont été tirés au sort parmi des milliers dans l'émission Giga sur France 2. Demain, ils retourneront à l'école, mais entre-temps, ils pourront bien sûr assister au concert. Dans nos prochains jours. On voit, c'est tout de suite un extrait. Ce journal va être... Mercredi, Michael Jackson sera à Toulouse et pour les fans, vraiment fans, le Dangerous Tour se poursuivra en Espagne. Voilà, on se quitte. Mais si, le messager de Dieu était bien au rendez-vous. Oubliez la polémique sur son visage et ses opérations chirurgicales, battu le record d'affluence. Les rumeurs d'annulation du concert à l'hippodrome de Vincennes court-circuitées, le courant est bien passé entre Michael et 80 000 de ses fans. Si certains n'ont pas vu grand-chose, on a sans contestation 99% de oui. C'est un être au sommet de son art, je veux dire. La folie Jackson, c'est ça, un être mythique avec une légende, un charisme, une fragilité qui touche. Pour les fans, sachez que Michael sera à Toulouse mercredi prochain, ensuite direction l'Espagne. Ça n'était exact. Voici le spectacle rare d'un félin en liberté. Nous
Nous l'avions vu hésitant et maladroit il y a 2 mois à Munich. Hier soir à Vincennes, Michael avait enfin retrouvé la grâce. C'est un mec qui me fait rêver. Quelques mièvreries en moins et le spectacle de Michael serait presque parfait. Michael qui donnera à Toulouse mercredi soir son 2e et dernier concert français. Scène sous le charme de fans anglaises qui le suivent dans toute l'Europe. Quand on aime, on ne compte pas. Tous les fans de Jackson ont rendez-vous avec Alain Gardinier dans Culture Rock le 21 septembre et avec Nouba le 23.